Bonjour, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est dimanche, il est 1h moins le quart. J'étais en train de travailler sur l'ordinateur, regarder des trucs pour la surprise des enfants et en train de regarder aussi pour en même temps des vêtements pour les enfants parce que là ils n'ont plus rien et les cartons d'invitation parce que pour ceux de Mademoiselle Lily il va falloir que je me dépêche de les faire et il faut absolument que je commande la déco licorne cet après-midi parce qu'après je veux pas être trop courte et tout, enfin bref. Et donc là je suis en train de faire à manger, donc ce midi on mange du chou-fleur à la vapeur avec de la béchamel et du riz. Ceux qui nous suivent, vous devez savoir que c'est notre repas préféré, c'est notre limite, notre repas du week-end, on adore ça. Et aujourd'hui j'ai encore mis mon petit pull que j'adore, mon pull d'amour. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, je l'adore, c'est un pull que j'ai eu à Camaïeu pour 8 €. C'est mon pull du dimanche, voilà, c'est ma petite tenue du dimanche. Aujourd'hui c'est pas trop de maquillage, juste un petit peu de fond de teint. Mes cheveux, je les ai juste... J'étais attachée en couette, c'est pas spécialement joli, mais je suis tranquille. Hier Rémi d'ailleurs m'a coupé les pointes. Je lui ai bien demandé parce que la dernière fois qu'il m'avait coupé les pointes, c'était un petit peu une catastrophe. En fait, je lui avais demandé de me couper ça la dernière fois. Je lui avais demandé de me couper, je lui avais dit 3-4 cm parce que c'était vraiment abîmé. Il m'en avait coupé 12. Oui. Donc bon, et en plus c'était pas coupé droit. Enfin bref, donc là du coup il voulait pas trop le faire. Je lui ai dit non mais je veux juste les pointes et je lui ai dit je veux pas. Enfin, j'essaye de les laisser repousser, après il faudrait que j'aille chez le coiffeur pour qu'elle me refasse un petit peu toutes les petites mèches, mais j'ai plein de petites tasses de cheveux cassés. Il était pas très d'accord, mais bon c'est bon, du coup il m'a coupé à peu près ça, mais ça leur a fait du bien. Voilà, programme de la journée, rien de prévu, on s'était peut-être dit qu'on irait se promener, mais je sais pas, parce que je sais pas. Moi il faudrait que je fasse mon repassage, au pire sinon je le ferai ce soir, on verra bien. Lucas est en train de jouer à un jeu, ça lui apprend l'histoire de la... de l'Égypte ancienne. C'est quoi que tu joues? C'est... je crois que c'est Assassin's Creed, mais en version pas de combat, pas de ci, pas de ça en fait. Et voilà. Donc il est en train de jouer à ça, Lily est en train de jouer aussi, Rémi je ne sais pas ce qu'il est parti faire. Et là nous avons un petit Jules qui est en train d'arriver. Ah mon Pierre, ça va? Ça va mon chouchou? Ça va mon chouchou? Oui, les câlins, les câlins, les câlins. Voilà, bon ben je vous dis à tout à l'heure. C'est bien. C'est bien Lily. Va vraiment falloir, on va le faire. Il faut qu'on la trie cette chambre parce que là il y a plein de trucs. Mais ça on va le jeter Lily, c'est les papiers qu'il y avait dans les chaussures. On va les jeter, non? Qu'est-ce que t'en dis? Oui. Oui, maman elle va les jeter. J'ai Jules qui me tire, on est parti se promener. Il y a du vent, j'ai mes yeux qui pleurent. Je sais pas si vous allez m'entendre. Donc on est parti se promener dehors. Envie de prendre l'air, même s'il y a du fait tout gris et tout. Mais bon, c'est pas grave. Jules il veut jouer mais Jules on le détachera pas parce que il y a 2 secondes. Oui on détachera pas Jules parce qu'il y a 2 secondes il y a un chien qui était pas attaché. Normalement on n'a pas le droit de détacher les chiens qui a sprinté pour aller sur un autre chien et qui a essayé de le croquer. Voilà donc Jules on le détache pas tant pis mais au moins comme ça on est sûr. Il y a du monde là, on aurait peut-être dû aller ailleurs mais bon c'est pas grave. Et du coup Jules il court après le ballon qui est de moi. Ouais, attends, attends Lily, parce qu'il me dit on essaye et tout. J'ai fait du basket pour info, j'étais très bonne. Ouais, sans vouloir me lancer très longtemps. C'était il y a très longtemps mais j'étais très bonne. Je devais finir au final en... On m'avait recruté mais j'ai dû arrêter parce que j'ai des problèmes de genoux. On m'avait recruté pour aller en... En régionale, en équipe régionale. J'étais en 6ème, 5ème.
sixième. Et donc Rémi me dit, allez, on va essayer, tu vas faire un panier, je vais essayer, mais c'est un ballon de foot. On a un ballon, pour faire du... Faut qu'on aille acheter un ballon à Lucas, mais on a un ballon de foot dégonflé. Et donc du coup, Rémi se moquait de moi, ouais, tu y arriveras pas et tout, il se moquait de moi. En disant que j'arriverai pas, j'ai mes yeux qui pleurent avec le vent. Et en fait non, parce que j'ai enlevé mon sac à dos, j'y suis arrivée du premier coup. Hein? Quatrième coup, voyons. Oui, mais du premier coup sans le sac à dos, donc bah oui, je suis pas si nulle que ça. Voilà, Rémi aussi a fait du basket pour info. Tu viens, Lucas? Lucas était en train de nous dire... Tu expliques? T'expliques? En fait, un jour j'ai couru pour les personnes qui... Pour Ella. Ella, c'est ça? Oui. Oui, et c'était ici. Oui. Voilà. Bon, allez, on va retrouver papa et puis Lily. Et puis Jules. M'a abandonné lâchement, il est là-bas, je sais pas si vous allez voir. Jules, il a une technique imparable. Il met sa patte dessous pour que ça reste en hauteur. Bon là, il le fait pas voir. Ah oui. Eh oui. Je suis en train de commencer le repas, je me rends compte qu'il n'y a pas assez de pommes de terre. On fera des haricots verts, je pense, avec. Donc ce soir, je vais faire des pommes de terre toutes simples, je les ai coupées comme ça. Et je vais les faire revenir dans un petit peu de margarine. Après, je vais mettre... bah, faut que ce soit moi. Après, je vais rajouter de la crème de riz. Ou de la crème de soja au choix, enfin de la crème quoi. Du sel, du poivre, de l'ail en semoule, de l'oignon en semoule, tout simplement, voilà. Et soit je ferai peut-être des haricots comme ça à côté, ou sinon des pois chiches, je vais voir. Je vais demander ce que les autres veulent en fait. J'arrive, Lucas. Ou des haricots verts. Voilà. Donc on verra bien ce qu'on va manger avec ça. Et puis bah après je vais aller laver les enfants. Il aurait fallu que je repasse, mais bah, c'était soit on sortait en famille, soit je repassais. J'ai préféré sortir, mais du coup je suis un peu à la bourre niveau repassage. Donc je vais regarder si j'ai de quoi habiller les enfants pour demain. Rémi c'est bon, moi aussi je me débrouillerai. Et puis bah, sinon je le ferai dans la semaine, ou faudra que je le fasse dans la semaine. Si j'attends le week-end prochain, c'est pas possible. Et en plus le week-end prochain on n'est pas là. Donc il faut vraiment que je le fasse dans la semaine. Tu as choisi des chaussettes. Donc les enfants vont aller au dodo. Rémi vient de les laver, voilà. Et moi j'étais en train de chercher, mais j'ai pas trouvé. Oui, je vais te les mettre, tes chaussettes, merci. Tu donnes ton pied? Non, c'est bon. Ah, tiens.
Oui, mais je sais toute seule. Mais j'ai pas trouvé ma bouteille d'imperméabilisant. Je sais que j'en ai. Je sais pas où je l'ai mise. Au pire, j'en rachèterai, c'est pas bien grave. Rémi, toi, quel son? Oui, bah je voudrais fermer la fenêtre, fermer le volet. Parce qu'en fait, il a qu'un jean, Je me suis fait déballer. Je me suis fait déballer, ouais. Non, mais c'est pas ça, c'est que. Son jean que j'avais pris, il a un de ses jeans qui a craqué quand. Enfin, Rémi, ça coûte un jean ou deux pour un an ou deux. On va te mettre. Et en fait, il veut jamais aller acheter des jeans. Et du coup, à force de toujours le remettre, laver, il tourne avec deux jeans en fait. S'il a un jean, moi je dis non, au moins deux parce qu'il faut que je puisse. Oui, il est tard, je me dépêche. Comme il faut que je puisse les laver quand même un minimum. Hein. Je les lave beaucoup et compagnie. Et là, je me suis rendu compte en fait en pliant le linge tout à l'heure que le jean qu'il avait le deuxième, il a craqué. Et que celui qu'il avait sur le dos tout à l'heure, il était sale. Donc là, je suis partie vite mettre le jean à la machine. Donc je lui ai dit, tu m'enlèves ton jean. Du coup, il se balade en caleçon. Voilà, vous savez tout, vous êtes ravis. Et là, c'est l'heure d'aller au dodo pour Mademoiselle Lily. Bonjour et bonne nuit. Bonne nuit. À demain. À demain et à tout à l'heure. À demain et à tout à l'heure. Bisous. Bisous. Tu fais quoi? Coucou. T'es en train de lire quoi? Les mignons? Je suis en train de lire ça parce que cet après-midi j'ai fait un cauchemar. T'as fait un cauchemar? Oui. Pendant la sieste? Donc du coup, pour pas le refaire, je vais lire des livres de mignons comme ça. Bah, pendant la nuit, je vais te faire le rêve, enfin le cauchemar que j'ai fait. Bah, je vais faire un rêve de mignon. D'accord. Ok. Tu veux qu'on regarde les smileys? Ouais. Ouais. Bon. Lily, on n'a pas regardé les smileys parce que elle est fatiguée, donc je l'ai pas. On les regarde tous. Tous, je sais pas, mais on va regarder un bout. Les gros, d'abord. Les gros? Alors attends, les gros c'est sur Facebook. Voilà. Ceux que ça n'intéresse pas, avancez. Par contre, je vais vous parler d'un truc après parce que je sais déjà ce que je vais aller faire après. En attendant d'avoir l'ordinateur. Bref. Donc. Oui, Jules. Non, Jules, on l'a promené tout à l'heure ensemble. Oui. Donc c'est bon, Jules c'est fait. Jules il ira faire un petit pipi dans le jardin, mais il n'y a pas besoin. Ça, non, là, il n'y en a pas de nouveau. Il n'a pas des nouveaux. Si, ceux-là, tu vois. Merci Véronique, Bouchra. On les avait déjà vus ceux-là. On va aller regarder du coup les smileys sous les vidéos. Et aujourd'hui, donc pour vous c'était hier, je vous ai sorti une vidéo en plus de je vais y arriver. En plus du vlog, c'est une routine ménage. Si ça vous intéresse, et ben allez la voir. Je vous mettrai, si j'y pense, le lien là-bas. C'est pas sûr que j'y pense. Merci le monde de Lulu, Jusco, Sohan, Lilou, Christelle, t'as vu? Christelle. Eh, t'as vu quand même, t'as vachement de paniers de basket. Hein. Je sais pas si t'as remarqué. Hein. J'en ai 4. Ouais. Annabelle, merci. Lilou, elle en a mis plein. Dis donc. Et voilà pour les smileys d'aujourd'hui. Bon, on va laisser Lucas faire dodo tranquillement, il est fatigué. Demain il y a école. Je vais quand même lire les livres. Tu vas lire des livres, faut pas faire ton cauchemar. J'ai à lire. Ok. On te dit à demain. À demain. Gros bisous. Gros bisous. Coucou. Donc comme je vous avais dit, on se retrouve en vitesse. C'était pour vous dire que j'ai commencé à lire. Je vais y arriver. À lire ce livre-là, Un amour au long cours de Jean-Sébastien Ongre. Et j'aime beaucoup. Bon, j'en suis qu'à la page 56. Je vais voir quand est-ce que j'arrive à le finir. Mais j'aime beaucoup la façon dont c'est rédigé. Le fait que ça soit des lettres et en fait que les deux protagonistes, les deux personnes du couple se répondent. Je trouve que c'est mignon. Et c'est assez marrant, on va dire.
la façon dont l'homme a sa vision propre à lui, normale, et la façon dont Anaïs a sa vision aussi, elle. Voilà. C'est assez rigolo parce qu'en fait, on se rend compte que c'est pas du tout le même ressenti. Bah, c'est marrant, quoi. Ça me fait penser... c'est assez rigolo, entre guillemets, voilà. Donc, et bah, je vais le continuer, mais pour le moment, il m'intéresse beaucoup. Voilà, j'accroche bien. Donc je vais essayer ce soir du coup, une fois que j'aurai fini mon vlog et compagnie, rangé la maison, voilà. Je vais essayer de le continuer. Je pense pas de le finir, mais je vais essayer de le continuer. Voilà, bon, mais sur ce, je vous dis à demain. Gros bisous!